Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi, bien à la moitié. Franchement, j'ai toujours la pêche. Ça se passe très 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 bien. Le matin, on a fait la routine habituelle, cohérence cardiaque, échauffement, petit jus, randonnée. J'ai fait une petite sieste et j'ai enchaîné avec le yoga. Petite séance de yoga qui s'est bien passée aussi, qui a fini sur une petite relaxation. En termes de ressenti, je suis vraiment bluffé du fait que le corps s'adapte vraiment bien. Même la randonnée ce matin, pas de difficulté alors que ça montait quand même pas mal. Bon, bien sûr, je vais à mon rythme, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas la sensation de je vais pas y arriver, quoi. C'est vraiment j'y arrive, quoi. Tu fonces et ça suit tout seul. Vous pouvez voir, je suis dans la chambre, sur un lit. C'est une façon de changer un peu le décor. Je viens de remonter, je suis au deuxième étage avec ma maman, donc monter un petit peu à chaque fois pour venir dans la chambre. Mais bon, c'est un détail. J'avais fait mon profilage alimentaire avec Martine. Donc en fait, il y a un bon questionnaire d'une bonne heure de réponses à mettre. Et en fait, en fonction des réponses, on peut déterminer un peu quel type de personne on est, quel type d'alimentation on est, etc. Le résumé, c'est que. Bon voilà, comme j'ai 30 ans, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de surprises, mais tout va bien par rapport à mon équilibre alimentaire. Et surtout, je suis un profil cueilleur-chasseur, donc j'ai quand même besoin de protéines animales. Donc moi qui me posais beaucoup de questions sur devenir végétarien, végétalien ou autre chose comme ça, maintenant c'est clair, il faut que je continue de faire comme je faisais, c'est-à-dire manger principalement en végétarien, avec le principal de trucs, mais manger une à deux fois dans la semaine, voilà, de la viande, et puis surtout les œufs, c'est bon aussi, apparemment, par rapport à ce profilage. Donc voilà, donc maintenant c'est fixé, ça permet vraiment de savoir beaucoup de choses. D'ailleurs, pour la reprise alimentaire, je vais vraiment essayer d'y aller par palier sur certains aliments pour voir justement si c'est peut-être certains aliments qui me provoquer des migraines en fonction des semaines. C'était très intéressant. Je remercie encore Martine pour ce beau débrief. Maintenant, ça va être la place au petit lavement. C'est pas forcément la joie, mais il faut s'y tenir tous les deux jours. Il faut tenir le rythme parce que ça aide vraiment pour le bien-être du jeune. Je vais vous laisser. Je n'ai pas dit l'heure, mais là, tu vois, il était 17 h, à peu près dans les heures du débrief. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit like, bah de commenter si vous avez des questions et surtout abonnez-vous pour pas manquer la suite des épisodes. Allez, on tient bon!